Et coucou. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous, bienvenue pour cette table ronde sur est-il possible de mettre tout un univers dans une seule nouvelle ou dans une seule partie one shot de JDR. À cette table ronde, nous avons Émilie Kerbalek, Aldo Papacoda et Olivier Sanfilippo, et puis moi-même, l'Alexandria. Et je vous propose de commencer par vous présenter un petit peu courtement chacun. Honneur aux femmes, on commence par Émilie. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, j'écris des nouvelles et des romans. Donc, j'ai une vingtaine de nouvelles qui sont publiées depuis 2014 sur différents supports, plutôt dans le genre fantastique et science-fiction. Un roman de space opéra paru en 2018 et un autre, mon second, qui va sortir aussi en septembre prochain. Voilà, toujours du Planète Opéra. Et je ne connais pas très bien l'univers des jeux de rôle, alors je suis curieuse d'apprendre des choses là. Voilà. Aldo? Ouais. On avait dit les dames d'abord. Donc moi. Ok, si tu veux. Du coup, je m'appelle l'Alex Andrea, je suis illustratrice, peintre, autrice. Je fais du jeu de rôle et je crée aussi des jeux de société. Donc effectivement, du coup, je masterise pas forcément de partie de JDR, donc j'aurais du mal à répondre à cette partie-là. Ce sera plus sur le côté nouvelle, puisque j'en écris pas mal. Je suis plus novelliste que romancière dans ma manière d'écrire. Donc voilà. Et ce coup-ci, les garçons. Vas-y Aldo, je t'en prie. Ok, merci, cher ami. Donc, moi, en fait, ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis auteur de jeux de rôle à titre professionnel, même si c'est pas mon activité professionnelle principale. C'est pas mon métier, en fait. Ça fait beaucoup plus longtemps que j'écris, et puis, ça fait très très longtemps que je joue, puisque j'ai dû commencer en 1982. Voilà. Olivier, c'est à toi. Ben, bonjour, alors moi je suis illustrateur et cartographe ainsi qu'auteur désormais dans le milieu du jeu de rôle. Bon, illustrateur et cartographe, c'est aussi dans d'autres milieux, les milieux de l'imaginaire. Sinon, ben, moi je suis rôliste aussi depuis que je dois avoir 10 ans et demi. Donc je joue, je maîtrise, on écrit des bouts d'univers et voilà, donc depuis un bon petit moment maintenant. Alors, une première question, il est question d'un univers, mais un univers, des univers, combien sont-ils dans votre tête? À quel moment? Silence. Merci, c'était ce qu'il fallait dire. Voilà. Vas-y, Émilie. Bon. Il y en a plusieurs. Bon, il est vrai que quand je me concentre sur un projet d'écriture, que ce soit une nouvelle ou un roman, cet univers-là va prendre le pas sur tous les autres. J'ai du mal à me disperser. Enfin, j'aime bien rester concentré sur un univers, mais je me rends compte que, enfin, ils existent tous plus ou moins de manière latente ou inconsciente, même s'ils sont. Et aussi, ces univers sont parfois connectés les uns aux autres par un peu de manière complètement inconsciente, en fait. Et ça va ressortir parfois dans une histoire sans même que je m'en rende compte. Et voilà. Ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sinon, ça ferait beaucoup de choses. Ben moi c'est plein d'univers, c'est tout le temps alors un univers, mais en fait cet univers en règle générale j'ai du mal à il fait émerger souvent de nouveaux univers en fait, donc c'est difficile, même quand je travaille pour un univers que ce soit en illustration, c'est le j'ai envie de dire le plein d'univers perso qui se rejoignent et qui vont cohabiter pour soit faire naître ou travailler sur un type d'univers. Et inversement, quand je travaille sur un univers, j'ai du mal à rester concentré dans ma tête et il y en a plein d'autres qui, qui émergent en fait. Donc ouais, c'est plein d'univers. Moi, c'est un peu pareil que mes deux petits camarades en fait. C'est une espèce de paysage mental.
en fin de compte, qui se nourrit d'un tas de choses, hein, parce que on s'abreuve, hein, on cherche la muse aussi. Et dans ce paysage, il y a des choses que par moment je me sens de cristalliser, on va dire, de condenser, où là on s'intéresse vraiment à créer un univers autonome et suffisant. Mais il y a des pans entiers d'univers qui se promènent et qui demandent ben parfois des modifications, des réajustements. Ils s'imbriquent les uns dans les autres, souvent de façon un peu surprenante. Et ils se renvoient les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on peut être sur un projet bien précis et tout d'un coup, on a des morceaux d'autres choses qu'on avait mis de côté ou qu'on avait en gestation, qui n'avaient rien à voir, qui viennent se connecter et qui prennent sens. Voilà. Alors pour ma part, désolée, ça rame beaucoup de mon côté. J'essaye de vous suivre effectivement des univers, puisque à chaque fois j'ai l'impression d'avoir vraiment un espace entier qui s'ouvre et dans lequel je vais piocher des éléments. Et ce qui m'amène d'ailleurs à la question suivante. Et du coup, je commence par répondre comme ça. Ce sera plus simple. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un univers qui est plus large pour mieux poser une ambiance et ou une histoire dans un one-shot en JDR ou dans une nouvelle? Moi, c'est vrai que je me rends compte que d'avoir un univers beaucoup plus riche, beaucoup plus large, sans avoir besoin forcément de tout raconter, pour moi, ça me permet de mieux dérouler l'histoire, de mieux donner des éléments de décor. Donc le fait que ça soit plus large, en fait, ça me permet effectivement de mieux raconter les choses. Et vous? Ah, c'est vaste question. Hein. Des fois, on oui. est noyé dans le trop d'informations. C'est oui. difficile de choisir. En fait, moi, je pense que le plus difficile, c'est pas de. C'est bien, en effet, quand il y a un hiver qui est assez touffu, assez fourni, assez large, ça donne de la matière à plein de choses. Alors moi, déjà, je fais du one-shot, hein, mais en règle générale, je privilégie les campagnes parce qu'en fait, le one-shot, c'est tellement de frustration pour moi. Donc en fait, c'est pour vraiment le plus dur, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va devoir aborder et qu'est-ce qu'on va devoir, et l'immense masse, en fait, qu'on va devoir laisser de côté, en fait. Hein. Et c'est des fois ça un petit peu la frustration, et c'est le travail quand on fait un one-shot, en tout cas, quand on prépare un scénar, c'est de se dire que de toute manière, on va pas pouvoir tout dire et qu'il va falloir choisir vraiment. C'est voir à mon sens, en tout cas, dans le jeu de rôle, c'est souvent, alors on va pouvoir bien définir une ambiance dans un one shot, bien définir une thématique, ce qu'on joue éventuellement, mais l'univers dans sa globalité, en fait, on le voit par le petit trou d'une serrure, quoi. Donc, faut choisir un thème, une couleur, en fait, un ingrédient, en fait, de cet univers qu'on va exploiter dans le one shot, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus ça. Donc, c'est à la fois, en effet, bien quand il y a énormément de matière, et c'est toujours un peu, il y a toujours un peu une petite larme à l'œil quand on dit je vais pouvoir faire montrer que ça. J'aurais bien voulu montrer plein d'autres choses. Vas-y, Émilie. Allez. Eh bien, moi, les deux sont possibles, en fait. Je peux fonctionner un peu comme vous, mais je peux aussi fonctionner à l'inverse, surtout dans le cadre d'une nouvelle. Cette fois, c'est les chiens. Ouais, non, c'est infernal, les voisins. Ils sont loin, hein. Je tiens à le préciser, ils sont loin. tout un univers derrière l'écran. Ouais, ça, voilà, c'est ce qu'on disait il y a deux minutes. C'est ça, c'est... Ah, ben, on compose avec notre univers. Voilà, là, l'ambiance, c'est voisinage. Donc, en fait, pour en revenir donc, à la discussion, donc, du coup, dans le cadre d'une nouvelle, je peux très bien commencer à écrire une nouvelle sur... par exemple, juste une image qui va me frapper, qui va m'inspirer, et je vais commencer à écrire la nouvelle et je vais imaginer l'univers au fur et à mesure de l'écriture. Donc, je ne vais faire qu'évoquer en fait cet univers, mais sans l'avoir créé et façonné dans sa totalité, dans sa globalité. Donc, c'est juste comme une pierre, enfin comme un iceberg en fait. On voit la pointe de l'iceberg et la partie immergée, je l'imagine pas forcément, en fait, je ne fais que l'évoquer. Elle n'existe pas forcément complètement comme ça dans mon esprit. Les deux sont possibles, en fait.
les deux approches. De mon côté, en fait, il y a toute une partie de la réponse qui dépend du type d'univers et de l'imaginaire qu'on peut partager déjà en amont, on va dire, avec les joueurs autour d'une table, parce que par exemple, quand on fait de l'heroic fantasy ou quand on fait de la science-fiction, il y a un certain nombre de points communs, il y a un certain nombre de références, on va dire, culturelles. Si je dis on va jouer dans un monde médiéval fantastique avec des elfes, bon, la grande majorité des participants à une partie de jeu de rôle ont déjà une assez bonne idée de ce que sont les elfes. Donc on va se concentrer sur les spécificités de ces elfes-là s'il y en a. Et puis on va passer à autre chose. En fait, on va pouvoir glisser sur certains pans de l'univers parce qu'ils font partie un petit peu de notre culture commune. Et se concentrer plus à fond sur les détails, sur les spécificités ou sur les contradictions propres à l'univers qu'on veut exposer. Et un peu comme Olivier, un peu comme la majorité des meneurs de jeu, des auteurs de jeux de rôle, je pense. Moi, je suis aussi plutôt partant pour des campagnes, c'est-à-dire laisser. Pour Émilie qui connaît pas trop le jeu de rôle, c'est la différence entre faire un épisode de série télé qui s'auto-suffit à lui-même. Ou faire une série télé avec un arc récurrent, des personnages qu'on retrouvera et des histoires qui se développeront au fur et à mesure des épisodes. C'est ça le principe de la campagne, en fait. Parce que dans le jargon, y a deux approches types dans la série télé. C'est l'épisode qui est autosuffisant et l'histoire se conclut à la fin de l'épisode. Même si on reprend les mêmes personnages la fois d'après, on peut les regarder dans n'importe quel ordre, on va dire. Et puis il y a ce qu'on appelle le serial où les personnages évoluent, le contexte autour d'eux évolue, ainsi de suite. Et ça, quand on crée un univers en tant qu'auteur de jeu de rôle et qu'on essaye de le montrer à des gens, les deux approches, one shot et campagne, elles sont complètement différentes parce que dans le one shot, ce que disait Olivier, on doit se concentrer sur quelque chose. Et en même temps, en se concentrant sur quelque chose, quand on prend sa casquette d'auteur, de fait, ça nous permet de voir si ce quelque chose, il est aussi pertinent et valide qu'il a l'air dans notre tête ou sur nos écrits, puisqu'on le fait vivre pendant un moment, donc c'est pas dépourvu d'intérêt et de surprise d'ailleurs. Quand on essaie d'exposer un univers comme ça, on va se concentrer sur les personnages et que de fait, on va être obligé de fournir un certain nombre de clés aux joueurs. Et plus l'univers est baroque et sort des références communes, on va dire, plus ça va demander de préparation en amont. Voilà. Je pense qu'il y a aussi pour rebondir sur ce que disait Aldo et aussi Émilie, en fait, la différence peut-être entre nouvelle et nouvelle ou roman et le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle, quand tu vas maîtriser ton one shot, il y a quand même une phase de préparation avec les joueurs, en fait, où on va leur expliquer un morceau d'univers. Alors ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfin bon, c'est le but quand on fait un one shot, c'est d'éviter de passer une après-midi entière à expliquer l'univers. Il y a quand même cette phase préparatoire. Alors que quand tu vas prendre un roman ou que tu vas prendre une nouvelle, tu as pas cette phase là pour te. Enfin, tu prends le roman, tu prends la nouvelle, tu ouvres le livre et tu commences à lire, en fait. Dans le jeu de rôle, il va quand même il y a le minimum d'explication du personnage que tu vas jouer et on te brief quand même le maître de jeu. On va te briefer un petit peu l'univers avant de te lancer dans la partie en elle-même. D'accord. Juste, vous m'entendez là ? Dans un roman. Ouais. Ok. Et dans le jeu de rôle, c'est le maître de jeu qui. Hop, pardon. Vas-y, l'Alex. Ouais. Je disais, dans un roman ou dans une nouvelle, souvent on essaye de faire deviner un petit peu tout ce qui se passe. On n'ira pas forcément tout préciser, tout raconter. Les fameuses histoires qui commencent par le paragraphe d'introduction « Je vous présente mon univers », en général, c'est pas du tout bon. Donc, c'est vrai que là, on voit la différence entre le jeu de rôle et l'écrit. Après, ça peut être très fun. Il peut y avoir des univers ou des jeux de rôle où tu sais pas en fait en quoi tu mets. Oui. Oui. Ça, c'est assez fun aussi, où on va dire, c'est un monde contemporain, voilà, comme le note, paf, on te lance là-dedans, et après, on te fait découvrir dans le one-shot. Ça, c'est une expérience, en fait, en règle générale, de présentation d'univers. C'est ça.
Alors, moi, je... Est-ce que vous m'entendez, du coup? Oui. Ouais. Je lis aussi des nouvelles dans le cadre de comités de lecture ou d'un concours aussi de nouvelles. Donc, je lis pas mal de nouvelles écrites, pas forcément par des gens très expérimentés. Et je me rends compte qu'une maladresse qui revient souvent chez les auteurs débutants, c'est de justement, ils sont tellement passionnés par leur univers qu'ils vont commencer par leur nouvelle par une page ou une page et demie ou un grand paragraphe d'exposition. Alors l'univers, il est comme ci et comme ci comme ça. Et c'est vrai que dans le cadre du format court littéraire, ça passe pas forcément très bien. Effectivement. Ben, on a un peu le même genre de contraintes en fait. Sur une partie de one shot en jeu de rôle, ça va durer entre 1 et 5 heures, on va dire, hein, quand on prend les parties en convention par exemple. Et si on passe 2 heures à expliquer et l'univers et le système de jeu, ouais, puisqu'il y a un système de jeu, bon ben voilà, il reste pas beaucoup de temps pour jouer et pour vivre cet univers. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et je pense après, ça dépend vraiment en fait du cadre dans lequel se déroule aussi la partie le one shot. Autant si c'est avec les copains, on peut envoyer 2-3 jours avant ou la semaine d'avant un petit récapitulatif de ce que c'est l'univers. Autant en effet sur une convention, quand on fait un one shot sur une convention, allez, il faut pas dépasser 15-20 minutes de présentation d'univers grand max, quoi. Parce que sinon les gens sont là pour vraiment jouer, tester le jeu, et pas pour passer une heure à ce qu'on leur explique, c'est quoi l'univers en lui-même. C'est ça. Mais on retrouve ce problème, effectivement, d'exposition initiale, on va dire. Ce que tu disais, Émilie. Oui, d'accord. Ouais. Après, j'imagine que dans le jeu de rôle, il y a aussi des... Est-ce qu'il est possible dans... Il va y avoir un décalage en fait. Oui, spatio-temporel. Vas-y, Alex. Non, vas-y, Milly, t'en prie, continue. Dans le jeu de rôle, quand on est comme ça, limité dans le temps, est-ce que, donc, quand vous devez exposer un univers, c'est quand même quelque chose d'assez gros, en un court laps de temps, est-ce qu'il y a des techniques? Vous vous focalisez sur quels aspects pour faire passer l'essentiel en fait? Quand vous avez très peu de temps comme ça. La technique la plus répandue, on va dire, c'est que déjà on fournit des personnages pré-tirés, avec éventuellement un petit paragraphe d'explication sur leur motivation et leur spécificité, s'ils font partie de peuples, d'espèces ou ont des croyances particulières. Et on fait en sorte de proposer un scénario dans lequel ces personnages s'intègrent le plus naturellement possible, on va dire. D'accord. Ce qui permet de passer rapidement de la phase explication à la phase jeu. Action. Voilà. Ouais. Et quitte à du coup commencer le jeu en mettant les personnages directement dans le feu de l'action in media res, hein, et sans forcément passer par une phase introductive trop longue. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Pour présenter l'univers en règle générale, enfin normalement, si c'est notre jeu, enfin si c'est pas notre jeu qu'on a l'habitude de jouer, on sait le pitcher en quelques phrases en fait, et on va pas s'étendre sur des points de détail. On va vraiment dire dans quelle ambiance c'est, plus on va s'attacher à dire voilà dans quelle ambiance et quel style d'univers on joue, plus que d'aller dans les détails. On verra ça plus tard, on verra ça éventuellement en jeu avec des petits trucs qui sont glissés ou quoi que ce soit. Et moi en règle générale, en tout cas ça c'est moi comment je fonctionne, c'est que je vais je vais me servir justement des, comme on disait, des référents communs qu'on peut avoir en fait. Voilà, tu vois, c'est un peu dans telle ambiance ça fait penser à telle série, ou essayer de rapidement en fait qu'on a brossé le jeu et de l'univers, donner quelques points de référence pour les personnes qui sont vraiment qui connaissent pas du tout. Leur donner peut-être quelques points de référence auxquels ils pourraient s'accrocher pour saisir globalement l'univers. Après, en règle générale, quand on fait un one shot, c'est plus l'ambiance qui est privilégiée de s'attacher à respecter le plus possible l'univers. En règle générale, de se faire découvrir, de passer un bon moment autour de la table, ça reste un jeu en fait. C'est plus l'expérience de jeu là qui va compter dans le one shot que la découverte de l'univers à proprement parler. C'est ça. D'accord.
Okay. Enfin, en tout cas pour moi, hein, attention, hein, je parle de en la même manière qu'un univers. De la même manière qu'un univers peut être. Ouais, c'est compliqué, je sens bien le décalage. De la même manière qu'un univers peut être réutilisé, on va dire, dans une campagne, puisque même si, enfin, avec les parties qui se succèdent, comme Aldo l'a expliqué, on peut envisager pour les autrices que nous sommes, Émilie, d'utiliser le même univers pour écrire plusieurs nouvelles. Pour le faire vite, moi je l'ai fait dans plusieurs de mes histoires, où en fait c'est le même univers dans lequel je vais piocher, utiliser différents angles de vue, et ça me permet d'avoir du coup quelque chose de beaucoup plus riche dans la tête pour pouvoir m'exprimer dessus. Et j'en ai même trois où on retrouve le même personnage en fait, à qui il arrive différentes aventures. Mmh. Et toi ? Oui, tout à fait. Je peux effectivement. Je le fais pas. Je le fais pas beaucoup, mais là, par exemple, le roman qui va sortir au mois de septembre chez. Chez Alba Michel, au début du confinement, j'ai eu comme ça envie d'écrire sur un sujet, donc j'ai écrit une histoire dans cet univers-là, mais avec un autre personnage, à une autre époque, c'est dans un autre lieu, mais ça se passe dans le même univers, et j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver les éléments que j'avais déjà creusés par ailleurs dans le roman. Ouais, ça m'arrive du coup. D'ailleurs, on voit plein d'auteurs qui font ça, hein. Des auteurs de... Ouais. Oui. J'ai en mémoire Jean-Philippe Jaworski avec Jeannot Avera, notamment. Enfin, oui. C'est un souvenir qui me vient là. Oui, ou... Il y a pas mal d'auteurs qui reviennent sur... Il y en a plein. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont des vrais créateurs d'univers, plus que d'autres, en fait. Comme, je pense à Laurent Genefort, par exemple, qui est vraiment un créateur d'univers... Il y a Dune aussi, enfin Frank Herbert, Dune, il y a beaucoup de... George Martin aussi, bien sûr. Après, on a eu aussi des auteurs qui ont essentiellement écrit de la nouvelle avant de faire du roman dans leurs univers. Je veux dire, quand on prend dans les vieux classiques, il y a Fritz Leiber avec le cycle des épées, il y a un roman, en fait, dans un cycle de 6 volumes, tout le reste est de la nouvelle plus ou moins longue. Et on découvre l'univers petit à petit, justement, avec, par contre, c'est toujours les mêmes personnages qui sont au centre. Ça va chier. Oui, c'est je prends le petit décalage. Finalement, que ça soit créer des univers de jeux de rôle dans lesquels on fait jouer des joueurs, et pas forcément que pour du one shot. Et en fait, finalement, c'est l'envie de partager un univers à quelqu'un d'autre, mais sous des formes différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui, carrément. Carrément. Non, vraiment, ouais, oui. Oui, sinon on écrit des kilos de papier, mais on les planque dans un coffre. Voilà, c'est ça. C'est un petit boulot créatif dès que lors qu'on le partage, c'est justement, enfin, qu'on le publie, qu'on le montre, c'est de toute manière pour le partager. Hein. Mm. Et de toute façon, jeu de rôle, y a bien les livres dont vous êtes le héros, ou maintenant des sortes de jeux de rôle, il y a des jeux de rôle solo qui commencent, qui apparaissent. Hein. Mais en dehors de ça, sinon, le jeu de rôle, par essence, c'est un jeu communautaire, quoi, et c'est un jeu de partage, quoi. C'est le one shot, on va le faire, enfin, c'est vraiment du partage, c'est un jeu de société. Voilà. C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, ça se voit pas forcément après en termes d'ouvrage, hein, mais souvent, en le faisant jouer, ben, l'univers, il évolue. Il évolue pour nous quand on l'a créé initialement, ou on le complète, ou on le modifie. Je veux dire, dans la grande majorité des jeux de rôle, ce qu'on fait, c'est qu'on a, pendant qu'on écrit, on a toute une phase de playtest qui nous permettent de tester le système de jeu, mais aussi de travailler un petit peu sur comment l'univers on le transmet aux autres participants, ce qu'ils en perçoivent, ce qu'ils en pensent. Et du coup, des fois, on se rend compte que y a du travail à refaire.
parce que l'intention qu'on avait, on n'a pas réussi à la retranscrire concrètement, ou parce que on s'est un peu mélangé les pinceaux sur certaines choses et que ce qui nous, on n'a pas vu, bah, ça saute à la figure de tous les participants, quoi. Voilà. Donc il y a une espèce de processus jusqu'à ce qu'on ait fini l'ouvrage. Beaucoup de la plupart d'entre nous, en tant qu'auteurs, on le fait jouer, on propose le jeu en amont. Il y a tout un processus de reconstruction qui fait que quand vous voyez un ouvrage de jeu de rôle terminé en main, ben en fait, des fois, c'est assez différent de l'intention initiale de l'auteur ou des auteurs. Voilà. Après, il y a aussi le fait que le jeu de rôle, il est joué, donc dès lors que le maître de jeu se le récupère et le prend dans les mains, il nous appartient plus vraiment. En fait, c'est ça. Hein. C'est ce que je te dis depuis très longtemps. C'est plus du tout notre univers, en fait. Donc, on continue à fournir du matos, mais en fait, à la table, chaque table, en fait, redéfinit son univers, en fait. C'est ça, ils déconstruisent et ils réassemblent ce qui leur plaît, en fait. Et ils complètent par rapport à ce qui les stimule. C'est comme un livre ou une histoire, une fois qu'on l'a écrite et qu'elle est publiée, elle ne nous appartient plus, elle appartient au lecteur qui va en faire. Il a peut-être moins de liberté, je ne sais pas, qu'avec le jeu de rôle, c'est possible. Après, je pense que les images mentales qu'on se fait à travers un roman sont toutes différentes et on le perçoit, je pense, chaque lecteur le perçoit différemment aussi. De toute manière. Certainement, oui. Après, c'est vrai que la différence, c'est que. Alors, on peut après réécrire. Il y a des fans et tout qui écrivent des nouvelles, justement, qui vont écrire des nouvelles ou du matériel dans les univers de romans écrits. Et c'est vrai qu'après le jeu de rôle, par contre, il est vivant. Des fanfictions. En fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a l'œuvre en tant que telle, mais sinon, ça reste un manuel de jeu, en fait. Et donc, l'important du jeu de rôle, finalement, c'est autour de la table. Et ça, c'est chacun. On aura beau borner tout ce qu'on veut, même en termes de système, en termes d'univers ou quoi que ce soit, c'est chaque table va vraiment, ne peut que s'en emparer, en fait. Et c'est ce qui crée des fois des communautés et des camps, entre guillemets, hein, entre les intégristes, les puristes. On ne donnera pas de nom. et ceux qui considèrent que, je fais ce que je veux, et ils ont bien raison. Bon, moi, je fais partie du second camp, hein, je me le dis direct. C'est le jeu de rôle, c'est l'œuvre, elle appartient, une fois qu'elle est diffusée, au contraire, faites-en ce que vous voulez, quoi. Mais amusez-vous surtout. On a une question qui nous a été posée. Est-ce que vous ne pensez pas que la différence entre ces deux constructions d'univers, donc que ça soit à l'écrit ou dans le jeu de rôle, serait pas le nombre de personnages plus important dans le jeu ? Ah bah ça dépend de de la campagne, en fait, entre guillemets. Alors, dans le format court, dans la nouvelle, forcément, c'est limité, ça c'est sûr. Mais après, si la nouvelle se développe en roman, en diptyque, en triptyque, là, on peut avoir un univers extrêmement riche avec beaucoup de personnages. J'ai l'impression, en fait, que le roman se rapproche plus du format d'une campagne écrite, en fait, en jeu de rôle, ou la nouvelle. La nouvelle, ça serait un scénario, on va dire, par exemple. Et le roman, ça serait un gros scénario ou une grosse campagne avec beaucoup de matos pour décrire le cadre. Le jeu de rôle, il y a des jeux de rôle sous format de campagne, en fait. Il y a des jeux de rôle qui présentent, en fait, qui sont plus... En fait, il y a tellement de types de jeux de rôle différents. Il y a des jeux de rôle univers, en fait, qui présentent un univers et qui s'attachent... Avec une histoire clairement, en fait. C'est une ambiance... Il y a des jeux de rôle, c'est vraiment un cadre très réduit, et des jeux de rôle, c'est des univers cosmogonie, mythologie, tout qui sont réécrits et autres. En fait, il y a même des jeux de rôle one shot, en fait, c'est-à-dire des jeux de rôle qui sont faits pour être joués en one shot purement et simplement, en fait, et où en effet souvent l'univers là est très réduit en termes de texte et de quantité de texte. Après, ça peut être aussi riche, en fait. Mais une fois autour de la table, hein, en termes d'ambiance et autres. Mais c'est en fait déjà, il y a tellement de types de jeux de rôle différents
que c'est un peu difficile. Enfin, moi, j'avoue, c'est difficile pour moi de répondre à la question, en fait. Si je peux me permettre, en fait, moi, il me semble que la différence essentielle entre ces deux types de construction, c'est que c'est pas tant qu'il y ait plus de personnages, c'est qu'il y a plus de participants. Ce que je veux dire, c'est que quand on crée un jeu de rôle, à moins d'avoir vraiment un format, comme disait Olivier à l'instant, très ciblé, où en fait on propose une histoire pré-paramétrée, hein, en fin de compte, n'importe quel joueur, tout d'un coup, peut vous poser une question sur un aspect qui lui semble évident de l'univers, à laquelle vous n'avez pas du tout pensé. Voilà. Donc rien que ça, c'est un peu même pour nous, hein, je veux dire, on peut avoir passé des années à créer un univers. La première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la dixième fois qu'on le propose à des gens qui le connaissent pas du tout, eh ben c'est un peu un saut dans l'inconnu en fait, parce que les gens peuvent tout d'un coup vouloir s'intéresser à une facette qui pour nous était juste un élément d'exposition ou qui semblait tellement implicite qu'on n'a pas pensé à l'aborder. Et inversement, il y a des spécificités auxquelles nous on attache de l'importance et les joueurs, eux, peuvent avoir envie de tout autre chose. Voilà. Donc je crois que alors que dans une œuvre écrite, dans une nouvelle, en fait l'auteur il vous prend par la main. Et une partie de votre imaginaire reste un petit peu sous l'éclairage qu'il a voulu lui donner à son texte. Oui, puis disons que si tu sais pas quelque chose, que c'est volontairement qu'on te le cache, enfin tu le sauras pas si l'auteur n'a pas envie de te le révéler. Ou s'il n'y a pas pensé. Ça pose pas de problème pour l'intrigue ou pour le roman en lui-même dans le jeu de rôle. Si t'arrives avec ton joueur, tu lui dis non, mais en fait j'en sais rien, donc t'auras pas de réponse. Ta table elle va te regarder avec des gros yeux et genre nous on en veut une, voilà, fais une réponse là tout de suite. Là c'est le bug, là c'est la faute du MJ en règle générale, voilà. Comme ça on se décharge sur les MJ, ils ont qu'à improviser, c'est ça. les meneurs de jeu ouais, pardon. D'autant que la nouvelle c'est un genre qui est extrêmement varié. Là on parle des nouvelles où un univers est évoqué, mais il y a aussi des nouvelles où il n'y a pas du tout d'univers évoqué, c'est des nouvelles qui se concentrent sur, je sais pas, sur un paysage mental, disons, ou sur une histoire très... Et y a pas du tout d'évocation, de description, de choses comme ça. Enfin, ça peut être très, 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 très varié et pas forcément inscrit dans le cadre d'un univers imaginaire ou réel, d'ailleurs. Pas forcément. Oui. Donc, j'en profite, pour vous poser une question suivante. Non, mais je gâte les moments de blanc avec mon vas-y. On fait exprès un peu pour te laisser quand même un peu de marge. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez réussi, comment vous réussissez, est-ce que vous avez des trucs ou des astuces pour pouvoir condenser cet énorme univers que vous avez dans la tête et le réduire à une nouvelle ou à une partie one shot? Il y a des techniques, oui, mais Allez-y. Non, vas-y, t'as commencé, maintenant tu assumes. Nous, on veut les techniques secrètes. Non, il n'y a pas de technique secrète, mais c'est vrai que, en fait, bon. J'ai l'impression que... C'est pas du tout secret, j'ai l'impression que, oui, effectivement... On est monté en haut de la montagne pour rien, tu veux dire. Les nouvelles, les lecteurs d'imaginaire en 2020, j'ai l'impression qu'ils aiment bien quand même des nouvelles qui commencent sur les chapeaux de roue, plutôt une media res, et qui t'emmènent tout de suite dans l'univers avec une immersion très forte et rapide, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance quand je lis des nouvelles autour. Mais... Donc, il faut travailler. Chaque mot compte. Alors, la description est hyper importante, les descriptions. Mais plutôt que de faire des descriptions un peu statiques avec un point de vue extérieur, par exemple, on peut jouer sur les points de vue internes. Il faut que ce soit court, concis, que ça aille à l'essentiel. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Chacun fait comme il veut. Mais les descriptions, moi, j'aime bien les descriptions. Disons que personnellement, j'utilise assez les descriptions un peu dynamiques comme ça, en utilisant le point de vue du personnage. C'est une bonne technique, ça, pour favoriser l'immersion.
Entre autres, il y a ça. Je sais pas. Moi, il y a, en fait. Oui, je t'en prie, excuse-moi. Vas-y. Oui, je disais, il y a plein de techniques en fait en jeu de rôle. Là, par contre, qui sont, enfin, à mon avis, il y a les descriptions qui rentrent bien sûr quand on décrit un lieu, un cadre, etc., qui sont importantes. Mais bon, par contre, on peut pas faire un monologue quand on est maître de jeu. Voilà, on va partir dans le cadre classique du jeu de rôle, on va dire entre guillemets classique, avec un maître de jeu et des joueurs. Tu peux pas passer une heure à décrire un paysage ou à décrire d'autres personnages. Donc, il faut que ça soit très évocateur. Et court en fait. Et après il y a plein de petites astuces qui sont, enfin ça peut passer de mettre poser une ambiance grâce à de la musique par exemple en jeu, des éléments sur la table, des feuilles de personnages avec des, nous on a aussi des visuels qui rentrent en compte, donc il y a des illustrations, des plans, des cartes. Bon alors bon moi je prêche pour ma paroisse, mais mais voilà, donc en fait il y a moi souvent, en tout cas quand je maîtrise, j'essaye de poser un peu une ambiance, désolé pour les chiens, de poser une ambiance, ça pose ambiance. Sur la table qui est simplement même de la déco en fait, hein. Par exemple on va jouer dans un univers japonisant, j'ai des éléments à la maison de décoration, je vais mettre une musique, la musique aussi va pouvoir rythmer. Ah oui, d'accord. Ah, c'est rigolo. Plus ou moins angoissante ou autre en fond pour éviter de nuire, comment dire, à la un peu comme moins que le chien par exemple. voilà, moins fort que le chien. et donc ouais, il y a plein d'éléments comme ça. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des choses qui en font partie. Après, c'est difficile des fois en salon parce que ou en festival, il y a beaucoup de bruit, donc c'est difficile. Mais on arrive en règle générale à essayer de connecter les joueurs et à s'immerger, faire abstraction du chien qui aboie, de tous les gens qui passent pour se concentrer sur la partie. Mais c'est pareil, il y aura plein de petits éléments comme ça. On peut montrer. Il y a un écran de jeu souvent, tout bêtement, qui est devant le. Alors certains, ça les gêne pour maîtriser, mais ça donne une ambiance, ça donne un panorama, des idées, des petits points sur l'univers en question. Quoi. Après, en termes de discours, en termes de partage verbal, on va dire, la technique la plus évidente, c'est celle de s'accrocher à quelques idées forces, on va dire, quelques. Ouais. Voilà, quitte à utiliser des termes très courants qui parlent immédiatement au public, ou à utiliser, réutiliser des mots clés ou des idées. Voilà, ce qu'il faut, c'est que, à mon sens, hein, on évite. Olivier parlait de monologue. Il y a un certain nombre de suppléments de jeux de rôle, d'ouvrages où, quand on met des scénarios, on trouve dedans des pavés de textes qui décrivent une situation. Alors c'est précieux en tant que meneur de jeu, hein, parce que on voit tout de suite ce que l'auteur voulait montrer. Mais c'est le genre de choses, si on commence à les lire, même si c'est très bien écrit, voilà. Souvent, quand on est de l'autre côté, qu'on est joueur, on attend la fin de la description en fait, et la moitié des éléments, on les zappe au fur et à mesure qu'on les entend. Alors quand là en fait il faut vraiment que les joueurs puissent s'emparer facilement des concepts importants pour ensuite décider ce qu'ils vont en faire, ce que leurs personnages vont faire concrètement. Oui. Quitte à ce qu'ils vous relancent, c'est ça qui est intéressant dans le jeu de rôle aussi, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui semble pas clair à un joueur, ou il se dit mais là je comprends pas, ou eh ben il vous le dit. Donc on peut rebondir dessus et on éclaircit les choses, on lève les ambiguïtés, mais l'important c'est d'avancer. Alors d'avancer pas seulement dans l'action, mais d'avancer aussi dans le fait que si on doit par exemple dire en cours de jeu, ton personnage à toi qui est un érudit, il sait que ce vase-là, ça correspond à telle période de telle civilisation, bon bah c'est un aparté qui est intéressant, mais on va pas y passer 20 minutes. Voilà. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver, c'est ça. Sauf si, toujours pareil, puisque c'est interactif, sauf s'il y a une demande de la part des autres participants. Oui, tout à fait. Et donc, le corollaire de ça, c'est que des fois, une séance, un scénario, sans que les joueurs ne fassent rien pour le faire partir dans d'autres horizons,
ben il se déroule de façon assez différente de ce qu'on avait imaginé ou de comment il s'est déroulé les fois précédentes si on l'a déjà fait jouer à plusieurs autres groupes. Voilà. Mmh. Oui, d'où notamment ça donne enfin, moi ça m'arrive souvent quand on joue à la maison plutôt qu'en convention où là on va essayer de garder le rythme pour finir quand il faut finir à peu près, mais souvent dans un scénario qui devait durer une soirée. En fait, finalement, on en fait trois de soirée autour du scénario, quoi, parce que forcément, voilà, quoi. Et bon, ben, c'est génial. En règle générale, là, c'est les joueurs accrochent et en veulent plus, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. Il y a une vieille blague comme ça. J'ai tendance à poser quand même sur les one shot, vraiment, on va dire plus sur les parties de démo, etc. Souvent, le scénar, il y a dans la plupart des scénars, à moins de démarrer vraiment dans l'action directe. Et donc là, c'est enfin, media res direct. Sinon, en règle générale, il y a toujours entre 2 et 5 minutes qui posent le décor, en fait. En début de. C'est-à-dire, vous arrivez à tel endroit, il y a des petites lucioles un peu partout, vous sentez ça, vous êtes réunis pour X ou Y raison. Il y a 5 minutes de. Il y a ce monologue un peu obligatoire pour poser le cadre, quand même. Quoi, que les joueurs savent minimum où on est, quoi. Sinon, il y a une vieille blague comme ça dans le milieu jeu de rôle qui dit la séance d'introduction, il devait aller à l'auberge, décrocher la mission et puis après on se lançait, ça prend 20 minutes et 3 heures plus tard, le maître de jeu se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de ces 45 figurants qu'il est obligé d'improviser, sachant que les joueurs ne mettront jamais les pieds dans cet endroit. Voilà. Non, mais c'est une piste. Quand on écrit maintenant, on pourrait écrire nos nouvelles en commençant par mettez telle musique pour bien plonger dans l'ambiance avant de lire cette histoire. Alors, le côté mise en scène. C'est intéressant, hein, c'est une piste à étudier. Il y a des auteurs, moi je peux penser, par exemple, j'ai travaillé avec Maxime Chatham qui disait, qui conseillait des albums ou autres pour écouter en même temps que certains ces romans, quoi. j'ai vu passer, j'ai des potes aussi qui notamment écrivent en musique et du coup conseillent et donnent leur playlist pour leur roman, quoi. Oui, et il y avait même des CD qui avaient été faits de musique d'ambiance, et il y a un site en ligne qui fait ça aussi, Tabletop, je crois, où du coup le meneur de jeu peut réussir à mettre une ambiance qu'il crée sur mesure pour sa partie. Ouais, tout à fait. Il y a des scénars qui sont scriptés comme ça. On en avait écrit notamment pour Les Ombres d'Esterhem. Oui. Où pour chaque scène, en fait, sur certains scénars, il y avait une musique d'ambiance prévue. La musique, une musique à mettre avec. Qui est alors Les Ombres d'Esterhem avaient produit des CD exprès, donc avec des albums qui sont propres à l'univers original, quoi. Et mais aussi des scénars avant que les albums soient écrits. Souvent on disait prenez tel artiste, tel morceau de tel artiste, ça ira parfait pour l'ambiance, quoi. Et du coup, bon, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une frustration pour le lecteur ou pour le joueur de ne pas avoir accès à l'entièreté de cet univers? Et le côté pile et face, est-ce qu'il y a une frustration pour vous, quand vous êtes sur un one-shot ou sur une nouvelle, de ne pas pouvoir présenter l'intégralité à 360 degrés de votre univers? Alors, j'ai déjà eu des retours de lecteurs, effectivement, sur mes écrits, ils exprimaient leur frustration de voir l'histoire s'arrêter et l'univers pas suffisamment développé. Ça m'est arrivé. Alors moi perso, en tant que consommateur, lecteur, joueur, meneur. J'aime avoir l'univers, accès à l'univers. Je vais souvent être frustré si j'ai pas certaines choses. Après, c'est aussi ce qui fait qu'on vagabonde de notre côté.
Par contre, après, en tant que créateur, ou quand je maîtrise, moi, le truc, c'est que les one-shot, la plupart du temps, c'est pour de la partie de démo. À la maison, avec les potes, tout ça, je fais quasiment très, très rarement de one-shot et on joue en campagne. Donc, en fait, on a le temps d'approfondir, de développer l'univers, voire de le compléter si on a besoin. Du coup, en fait, c'est pas la même démarche, en fait, en one-shot. Moi, ça va être l'expérience de jeu, c'est l'expérience de jeu plus que l'univers, en fait, qui va m'intéresser. C'est-à-dire que même si je vais jouer à la table de collègues qui veulent me faire découvrir un univers, l'univers, en règle générale, finalement, il me l'a déjà présenté avant ou on va pouvoir le présenter après. C'est la partie, l'éclate autour de la table et l'amusement autour de la table qui va être quasiment l'unique intérêt, en fait. Plus que l'univers en lui-même, en fait, finalement. Après, par contre, en campagne, là, l'univers, au contraire, là, c'est là où je le savoure, en fait. De mon côté, je dirais que, bon, déjà, c'est assez rare d'arriver avec un univers, sauf si on fait des formats relativement courts, mais c'est assez rare d'arriver à proposer en one shot un univers qui est complet. En termes de création, où on se dit j'ai dit tout ce que je voulais dire dedans, donc maintenant il n'y a plus qu'à le faire jouer quoi. D'ailleurs, la plupart des jeux, bon, on sort un livre de base avec suffisamment de matériel pour que les gens s'investissent dedans, et puis ensuite on sort un certain nombre de suppléments qui visent à, entre autres, compléter et expliquer certains pans de l'univers qu'on a esquissé simplement dans le livre de base. Il n'y a pas de frustration réelle dans le sens où on sait en amont que de toute façon on est obligé de se contenter de d'une certaine présence. Ah. Du coup. Je vais rebondir sur Aldo pour dire moi il y a de la frustration parce que souvent les gammes sortent petit à petit quand on achète du jeu de rôle et qu'on sait que tel supplément doit apparaître ou ce genre de choses et qu'il faut absolument l'attendre, c'est horrible. Oui, surtout si c'est qu'on a envie de savoir. Moi, je suis un bon client là-dessus et c'est pareil pour les romans ou les nouvelles quand je sais qu'il y a des suites, etc. Après, j'ai plus qu'une envie, c'est d'attendre la suite s'il m'a plu avec impatience. Ouais. Donc, moi, c'est là la frustration. Donc, t'es plutôt un lecteur de séries, en fait, plutôt que de one-shot, de diptyque, etc. Pas forcément, non, pas du tout, parce que en fait, je vais lire le one shot, il va me plaire. Si on me dit qu'il y a ce one shot, je vais être frustré avec moi tout seul. Mais bon, voilà quoi, je sais que c'est un one shot, et puis bon, ben voilà, je prends sur moi. Pas plus quoi. Mais si en plus on me dit que c'est pas un one, enfin que c'était un one shot là, mais qu'il va y avoir des suites ou des développements autres, ou que l'univers va être étoffé ailleurs. Là, ouais, je vais être frustré, quoi. Enfin, frustré, c'est une bonne frustration, quoi. Oui. J'ai qu'une hâte, c'est. Oui, impatient plutôt. C'est ça, ouais, voilà. Ok. Mais c'est vrai qu'on voit que des romans peuvent donner lieu à des jeux de rôle qui sont développés à partir d'eux, et l'inverse est aussi vrai, des romans qui sont écrits à partir d'univers de jeux de rôle. Ah, totalement, hein. Il y en a beaucoup, en fait, hein, même. Il y en a pas mal. J'ai une question du public, comme je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes, qui est plutôt du coup pour celles qui écrivent. qu'est-ce qu'un recueil de nouvelles situé dans un même univers peut apporter de plus, selon vous, qu'un roman ? Alors, si tu veux, Émilie, je te laisse le temps de réfléchir. j'aurais du mal à répondre exactement à cette question, mais j'y réponds de manière un peu biaisée. J'ai un projet avec ma team d'écriture, on est trois, d'un roman, mais qui se déroule avec plusieurs nouvelles, mais là, on est trois plumes. Et en fait, chacun écrit son histoire qui feront un tout cohérent. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça reste une histoire complète, mais avec vraiment plein de petites histoires à l'intérieur. Et finalement, ça peut faire penser à une campagne de jeu de rôle, quand on y pense. Oui, c'est assez proche. Alors moi, là, je vais répondre en tant que lectrice. Quand je lis un roman, supposons que je lis un roman d'un auteur ou d'une autrice et que j'aime son univers, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir ensuite à retrouver cet univers à travers des nouvelles qui permettent d'avoir d'autres points de vue dessus, mais en fait c'est pas tant l'univers en soi que je crois, enfin l'univers
en tant qu'objet que l'univers de l'auteur, en fait. Sa sensibilité, sa plume, sa manière d'exprimer le monde. En fait, c'est ça que j'apprécie. Et donc, j'ai le plaisir à les retrouver. Alors, je pense par exemple à... j'avais beaucoup aimé Paolo Battigalupi, la fille automate. Voilà. Et il a sorti ensuite ou avant, d'ailleurs, je ne sais plus, un recueil de nouvelles qui s'appelle La fille flûte, je crois. Et dedans, il y a une ou deux nouvelles qui se rattachent à l'univers de la fille automate. Et j'avais énormément apprécié. Et récemment, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a Neddy Okorafor. J'avais beaucoup aimé Qui a peur de la mort. Et là, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Kabou Kabou qui a été réédité chez ActuSF. Et voilà, j'ai plaisir à retrouver l'auteur, j'ai plaisir à retrouver son univers. C'est pas exactement le même monde, mais c'est son univers à elle. Donc, il y a ce côté-là aussi. Le monde intérieur de l'auteur, en fait, ou de l'autrice. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Alors, je pense qu'il faudra ne pas hésiter à aller voir. Il y a des réflexions aussi qui ont été faites. Pour nous quatre, allez voir dans les commentaires qui sont laissés sous cette plaisir. Vidéo. Avec plaisir. Il y en a une pour Olivier à propos des secrets d'Estherène, par exemple. Donc voilà, il y aura peut-être des choses à aller voir. Ça sent le tacle à la gorge, ça. Je ne suis absolument pas responsable de ça. Moi, je dessine, je fais des cartes, c'est tout. Je dirais rien. Alors, de la même manière qu'on avait une question plutôt pour la partie autrice, une question pour les messieurs en tant que meneur de jeu cette fois peut-être. Est-ce que vous préférez du coup faire jouer dans vos univers ou est-ce que vous prenez aussi autant de plaisir ou au moins autant de plaisir à faire jouer dans les univers d'autres personnes que vous? Je vais commencer Aldo. Ouais, ça va être assez rapide. Je fais beaucoup plus souvent jouer dans des univers faits par d'autres personnes que dans les miens, en fait. Par contre, je déconstruis, je mélange et j'ajoute. Voilà. Comme en fait tous les meneurs de jeu, hein, c'est extrêmement rare le meneur de jeu qui prend un univers et qui le respecte. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer dans des univers produits par d'autres, même si des fois, j'étais pas très convaincu au départ. Et en fait, en les faisant vivre, ils prennent une autre substance. Voilà. Et ça m'a souvent inspiré d'ailleurs, en tant qu'auteur. Ouais, totalement. Alors moi, en fait, j'ai les deux plaisirs, en fait... qui sont différents finalement. Alors après, quand on joue, c'est pareil, parce qu'en fait, comme Aldo, donc j'ai beaucoup pendant des années joué et maîtrisé en fait dans des univers que des autres en fait. Hein. J'ai le plaisir en fait aussi, ce que j'aime là-dedans, c'est le plaisir de découvrir l'univers. C'est-à-dire il y a ce premier contact avec l'univers en tant que meneur de jeu ou autre, c'est-à-dire de prendre les bouquins et de découvrir un univers en fait. Chose qu'on ne fait pas en fait quand on le crée forcément. Et du coup, quand on le crée, on perd ce plaisir de la découverte. Moi, j'aime beaucoup, je nourris énormément du travail des autres. Et donc, du coup, forcément, quand c'est dans notre univers, il n'y a pas cette phase de découverte, c'est d'attendre, ça. Par exemple, la suite. C'est mort, quoi, en fait. Quand on fait jouer dans l'univers de quelqu'un d'autre, on a aussi un petit peu la position du spectateur, du joueur, en fait. Ce qu'on n'a pas dans nos propres univers. Ou là, en fait, dans nos propres univers, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va partager et comment on va le partager. Et la question qu'on se pose quand on fait jouer dans les univers des autres, c'est est-ce qu'ils vont dans la direction que j'ai l'impression qu'ils ont pris ou pas. Et est-ce que ça me plaît, et si oui, voilà. Après moi, je joue le problème même des univers des autres, c'est que comme Aldo, il se modifie, il est réinterprété et autres. En fait, moi, je sais que je joue beaucoup avec mes joueurs. En fait, je suis un joueur parmi mes joueurs. En fait, et en fait, ils sont vraiment au centre. J'ai beau écrire les scénars et tout ce qu'on veut, finalement, je les laisse au centre et maître de ce que va devenir la campagne, de ce que va devenir même l'univers. En fait. Et finalement, je les suis plus que. Alors, je suis là pour borner, pour leur fournir plus que borner, pour leur mais c'est leur histoire, leur fournir du grain à moudre en fait.
Mais en fait, c'est vraiment leur histoire. Moi, c'est ce qui me fait triper en fait dans le jeu de rôle, en tant que meneur. Hein, en tant que joueur, bah, forcément, c'est d'être à la place du héros, au centre de la série. Quoi. On va jouer ce groupe de héros de la série et on est au centre de l'attention quand même. Et découvrir un univers, découvrir un tas de choses en fait, vivre une expérience. Et en tant que meneur, en fait, je peux pas m'enlever aussi ce plaisir-là, en fait. Et finalement, c'est mes joueurs qui me le procurent, en fait. C'est-à-dire que, et du coup, je vais les mettre. Tous les spots sur eux. Ça veut pas dire qu'ils vont pas en baver ou autre. C'est des héros. C'est pareil. Moi, je suis plus un meneur et joueur de jeux héroïques. Alors, ça veut pas dire que le monde, l'univers doit être forcément flamboyant, qu'il peut pas ne pas être sombre ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal, en fait, à me dire, maltraiter mes joueurs, juste pour maltraiter mes joueurs, c'est hors de question, en fait. Enfin, voilà, ça fait pas partie de mon kiff, ils sont plus grands que moi, c'est bigger than life, quoi. C'est mes joueurs, c'est eux les héros, c'est eux la campagne, en fait, et c'est eux le jeu. Donc, forcément, même que ce soit le jeu du commerce ou les miens, je l'ai vu parce que j'ai essayé de faire playtester l'éventuelle campagne que je voulais faire pour l'Empire des Cerisiers et en fait c'est mort, c'est juste mort en fait, c'est ça part tellement ailleurs qu'en fait je m'en nourris, je prends des notes mais ça pourra pas être la campagne de commercialiser quoi éventuellement. Ouais. Oui, alors il y avait encore une question, mais du coup, Émilie, je pense qu'on ira répondre en ligne, puisque c'était savoir si nous, en tant qu'autrices, on s'est déjà emparé des univers d'autrui. On répondra à l'écrit, parce que là, on arrive vraiment à la toute fin. Ou alors, sauf si tu peux le faire vite. Moi, je peux le faire vite. J'ai déjà écrit un peu de fanfiction, mais voilà. Je suis pas convaincue. Je l'ai jamais fait. Pour le faire en short, c'est pas quelque chose qui m'inspire, en fait. Non. Ok. écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges et j'ai l'impression que malgré mes petits soucis techniques, ça a permis d'avoir pas mal de croisements entre le jeu de rôle et l'écriture. Et je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire et surtout plein de choses à faire parce qu'il y a vraiment plein de passerelles dans le fait d'avoir ces univers qui peuvent être explorés sous différentes facettes. Donc un grand merci à tous les trois. Merci à Emily, Aldo, tout le monde. Ouais, merci à vous aussi, les amis. non, c'était super. Au revoir. À une prochaine. À une prochaine. Merci au public. Salut et merci au public. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.